Et bah, bah la compagnie, bah le chat. Et c'était Camon dans Kingdom and Castle. On est en pause dans le jeu parce que la mère des dragons est passée au dernier épisode et la cité a pris une claque. Et petit mot entre nous, Blue, si on va faire du stranding évidemment, je m'amuse, t'inquiète. Pour faire plein de photos. Alors les photos, faudra qu'on parle de ça après. Bon, on est donc dans notre cité qui a résisté à la mère des dragons, enfin résisté. Cette saleté, elle nous fait des cramés, mais alors. On libère la pause, ils ont faim. Mes stats sont bonnes. Il y aurait un moyen de se faire de la nourriture sans trop se fatiguer. Sérieux. On va se faire un port. Parce que on souffre tellement. On va amener des marchands. Comment ça se présente? On va construire un petit port et les bateaux viendront. On sera content. Hop! On va le protéger. Il y a de la flotte autour. Mais j'adore les puits. J'y peux rien. Excusez-moi. Ah. Tac, on va le faire là. Et pourquoi pas d'ailleurs se faire des pêcheurs parce qu'on a la dalle. Le pêcheur. Voilà, on va sortir de cabane ici. Gentiment. On a un cercle de poissons là. Quand même pas dégueu. Voilà, on va les laisser bosser. T'es dans la zone de sécurité. T'es dans la zone de sécurité. On va se faire un poissonnier. Mais du coup, on va même. Alors, j'ai une habitude, moi, c'est ne pas casser forcément les remparts. C'est tenir au cas où il y a un premier qui casse. Les Vikings sont bloqués après. Donc, on va se faire le poissonnier là. Hop, ça c'est cool, ici on pourrait faire quelque chose, on pourrait agrandir le cimetière là. Ah oui, il est clairement petit là. Derrière l'hôpital, un cimetière en plus, deux cases, là, c'est bien plein, on a eu du monde qui est mort de faim, ça rigole pas. On est cool. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir les conseillers du château de Tecumseh. Bienvenue au donjon, les conseillers vont-ils bien? Allez, l'agriculture. Nos réserves de nourriture pour l'hiver inquiètent nos paysans. Nous devons réagir. Oui, Stéphane Bern, bien sûr. Sire, des carrières croulent sous la pierre et n'ont pas de place pour le stocker. Il nous faut des nouvelles réserves. C'est une blague? Et le militaire? Des Red Vikings pourraient débarquer. Fortifions. Mais je fais ça depuis le début, les gars. Je n'arrête pas. Merci de votre aide. En tout cas, on est propre. On meurt, mais on est propre. Carrément, là. Mais ils ont faim. Ils font suer. Allez, on espère que c'est une solution. Après, j'ai 10 outils, c'est cool. On va tenter de déboiser là sans qu'ils meurent trop. Pour continuer les petits remparts. Voilà. Et qu'on finisse ici, la protection. On va voir, ça va se faire. On veut du bonheur. Ça remonte bien là. 71. Pénurie de nourriture. On n'a plus de fruits. Ah ouais. On a quand même plein de vergers. On n'a pas de chômeurs. Je peux pas faire de champs comme ça. C'est parce que je construis à côté. On va continuer à développer là. Alors, par contre, j'ai mis un forgeron. Est-ce que les gens peuvent se plaindre de lui? Je croyais que oui. On va continuer à faire des manoirs, parce que c'est ici que c'est important. Clac. Clac. Du coup, comme c'est la pompe afrique. Mettons un peu de caillasse. Alors les manoirs déjà ça ramène combien de gens? 25. Impeccable. Côté fer, ça exploite un petit peu ou pas? Non, il n'y a pas de gens, il n'y a personne. Oui, bah oui, je sais. Pourquoi? Dans les emplois. On a la dèche, voilà, on manque d'industrie de la pêche, boulanger, ouvrier porteur, mineur.
certains châteaux. Les mineurs ne sont pas prioritaires. On va prioriser, oui, évidemment, la bouffe. Monseigneur, la ville a été visitée par 39 personnes, mais n'ont pas pu satisfaire tout le monde. Oh là là. C'est pas grave. On va y arriver. Plus 54 et plus 25 en or. On va faire du monde pour faire plus de champs et plus de vergers. Et là, ça construit, ça me va. Et mon petit forgeron, du coup... On laisse faire les deux pour l'instant. Non, il fait surtout des outils, celui-là. Je comprends pas. Bon, ils avaient du minerai. Invasion de vikings. Ils arrivent où? Trois drakkars en vue avec un ogre. Quatre drakkars. Que quatre, hein. Et je vois que de l'autre côté de la map, ça arrive aussi. Bon. On va faire la technique de la pierre, hein. Il n'y a que ça, hein. Il faut bosser, les gars. On va faire x2. Et en l'an 84 du royaume de Tekhamster, tout va bien. J'ai faim, j'ai toujours faim. Arrêtez de vous plaindre. Tout est abîmé, on n'a pas le choix. Il faut reconstruire, de toute façon, les gars, là. Donc ici, on va regarder les champs. Voilà, terre fertile plus 1. Production de base 4. On a fait l'irrigation, on gagne 1 en fertilité. Et en irrigué 1. Donc on passe à 6 de nourriture. Et l'ouvrier qui est dessus, qui est devenu maître, encore 1. 4, 5, 6, 7 de récolte, c'est top. C'est top, c'est top. Ça, c'est bien. C'est vrai qu'ici, ça ferait du bien après de faire une noria de ce côté-là pour toute l'agriculture. Si on fait nos champs. Voilà, on va faire un là, tranquille. On va être bon. Oh, mais il y a du monde qui arrive, hein. Vas-y, pas grave. Et près de la cité que je n'ai pas fermée, ils arrivent. Mince. Pourquoi je suis pas surpris? J'ai laissé un accès vite. Voilà pourquoi j'ai pas fait casser mes remparts, je suis bête. Aïe. 48. Oh oui, ça fait mal. Hein. Tour d'archer. On a de la chance, l'IA n'a pas capté qu'elle pouvait passer là. Bon, comment ça se présente? Ils ont volé les gens qui sont dans les mines de carrière, de pierre, non! On va voir s'il les libère quand il meurt. Non. Lâchez les bobies! Si, ils repartent, c'est bon, ils sont sauvés. Ils ont faim, mais ils sont sauvés. Impec. Ça, c'est ok. Bon là, ça va casser, il va y avoir des dégâts, ils arrivent. Ça va, ils se laquent pas vers le rempart de bois, j'ai bouché le trou là-bas, mais ça va pas être bouché tout de suite. Il y a une ouverture, ils vont y arriver. Pisan mort de faim, comment veux-tu que ça aille? C'est bon. Il doit rester le troll des forêts. Oh là, regardez-moi ça. Le mec hyper confiant, quoi. Attends. Ah oui, non, mais il m'a fait un dénivelé, là, un angle droit. Bah. On a quand même, ouais, des arbalètes. On a qu'une seule tour de flèche dans le coin. Ah, c'est pas terrible ça par contre. Parce que
Oh, les arbalètes font vachement mal quand même, ils se prennent du dégât. Alors, on pourra augmenter la puissance de dégâts en faisant de la recherche. Elles sont longues à recharger, mais c'est bien. Est-ce que pendant que le troll est en train de mourir, ou l'ogre, comme on veut, le bateau de pêche. On va mettre 0, je suis pas d'accord. On est d'accord que c'est le fer pur. 0, 0. On va voir si on va laisser à 50. Et un marchand est arrivé. On clique dessus, bonjour. Qu'est-ce qu'on va vous acheter? Prix 1, quantité 38. Voilà, on lui a acheté de la nourriture. Ouais, t'en as 31, ça va me coûter 93. On achète. Et tu as 41 fruits, on achète. Et 40 poissons, on achète. On va pas donner ça aux vikings. Du coup, en armement, là c'est des outils. 33. On achète aussi. Et il me reste un peu de sous. Si j'achète 46, de la caillasse. Et même du charbon. Allez, soyons généreux. On va arrêter là. Et du coup, le port va se vider. Impeccable. Ça marche. Voilà, tout le monde a cherché ce qu'il faut. C'est parfait. Ça va calmer un peu les estomacs. C'est temporaire, mais ça va marcher quand même. Bon. Ça fait son taf. On est à 546 lits. On n'a plus beaucoup d'argent. On va attendre que ça remonte, on fera une fête. Et nous, par contre, paf, je réfléchissais à ça, excusez-moi. Si on fait une Noria... On est vachement bien. Ah, il faut des sous par contre, oui. Il faut des sous. On va attendre un petit peu. Ma foi. Oui, on a dépensé beaucoup. 626 dépensés chez les marchands. Ouf. On s'est fait plaisir, quoi. Paye des soldats, 96. C'est énorme, déjà. Hôpital, 54, avec les cliniques. Les bains publics, 54. Les pompiers coûtent cher, aussi. Tout coûte cher, en fait. Mais si vous voulez un service public, il n'y a pas le choix. Ils sont là pour servir les gens. Et apparemment, le pont a eu un petit coup, ok, il répare aussi. C'est vrai qu'on a qu'un seul pont, là, pour communiquer. Et je crois qu'on pourrait même faire des ponts-levis. 303 pierres, mon tech. 303 pierres. On n'a pas d'attaque avant 3 ans. L'autre taré va arriver, le dragon, il va nous embêter. Ouais, on va dérocher. On va dérocher, on a besoin de nettoyer. Ah, 45 pièces d'or, j'ai pas fait gaffe. Mince. Coûte cher le bougre. Bon, par contre, la bonne nouvelle, on est équipé à plus 17. Ah, il faut des manoirs. Hein. Ça remonte le bonheur. Ça remonte, j'attends des chômeurs. On va se refaire un verger. Hein. Voilà. Petit verger ici. Est-ce qu'on se fait des champs de blé là? Quand se passe le grenier? Vide évidemment. Mais ici c'est pas mal. On pourrait faire un moulin là. Clairement on pourrait faire un moulin. Avec un tout petit peu de champ, un petit bus. S'ils veulent bien bosser avec nous, les boobies. Voilà.
Qu'est-ce qui se passe? Si, nous avons récupéré de l'espace en faisant des roches inutiles. Cool. Il faut juste que le pognon monte parce que ça coûte très cher tout ça. Après, on pourra faire un axe plutôt là, de forteresse. On pourra travailler proprement, récupérer tout ça, ouais. Même mettre le forgeron là, tiens, on pourrait même faire un truc nickel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rochers à évacuer. On va attendre. Hein. Nous, on va faire ça. Hop. On va quand même renforcer un petit poil pendant ce temps-là. Notre forteresse. Il nous reste des cailloux. On va même renforcer la porte. Contre le méchant troll. Alors là, on a des archers. Archer, on va peut-être faire un arbalétrier alors. Est-ce qu'on n'en ferait pas un? Ça serait bien. Mais ça coûte de plus en plus cher. Il nous faudrait des manoirs. C'est ça qu'on veut. Des chefs de famille pour payer les taxes. Cool, on peut en faire deux. Le petit puits là, t'es embêtant. On va faire un troisième là dès qu'on peut. Il manque combien de pierres? 35. J'ai faim, mais oui, vous êtes toujours, toujours, toujours faim. Plus de 104 pourtant, c'est incroyable. Il faut plus de gens, plus de bras à récolter. Hein. Pas le choix. Et tout le monde traverse là, ok, c'est normal. Bah alors les bobies, c'est quoi le cirque là? Et l'archer est en train de tuer les loups. Ah ça c'est impeccable. Ok, ils se font poutrer. Et du coup il attaque ici la meute aussi. Voilà. Comme ça on pourra dérocher ça et que ça repop pas. Mais moi aussi j'ai faim avec tout ça. Vous avez faim dans le chat? Ah. Andy Escris, j'ai morte de vieillesse quand même. Comme toutes autres, 7 paysans. Bien. L'année précédente, on a fait que plus 77. Bah oui, je sais. Je sais, je sais. Allez, on va faire une Noria. Est-ce qu'on peut la faire là? Non. Oui. Impec. On va bosser dessus. Il nous manque 40 pierres à chaque fois pour des aqueducs. Ok. Du coup, au niveau agricole. Au niveau agricole, c'est pas grave. Hein. Alors, on va se mettre. C'est assez apaisant. Hein. Ils ont faim. Ils ont faim, mais on va faire des champs, vous inquiétez pas les gars. Ça va venir. Est-ce qu'on a beaucoup d'or? Un peu, mais une fête maintenant, c'est compliqué. Moins 31 de bonheur. J'ai pas le choix, hein. Je suis obligé de mettre la taxe au max. Je me rends compte, là, de pas avoir rejoué depuis un an, et le gameplay est vachement mieux équilibré, c'est beaucoup plus dur de grossir. Hein. Pasta, qu'est-ce que tu manges? Alors si tu manges une poutine en plus, alors là, je suis mort. Hein. On m'a réclamé récemment de faire une tartiflette pour le nouvel an. Donc je vais voir ça. J'imagine le nouvel an, on est tous pleins, et après la coupette. Mélissa Bradley est morte de vieillesse. Super! Et un autre est mort de faim. Oh, pas de bol. On a des cimetières. Tout va bien. Les récoltes. Ça tient, mais c'est dur. En fait, c'est ça, tant qu'ils ont faim, on va faire une lutte de festival de bonheur. Alors, si on fait festival là, normalement, dans l'autre village, c'est la fête aussi? Non, même pas. On va remonter, on va tricher, on monte vers 61, c'est pour amener des gens. 50. On peut refaire une maison ici. Un manoir, s'il te plaît. Parfait.
Alors, on peut faire des fontaines, permet d'accéder à l'eau potable et à tous les avantages d'un puits, mais dans un grand rayon. C'est vrai qu'il y a ça, c'est pas mal ça. Pourquoi il y a de la musique? Parce qu'il y a les drakes qui sont arrivés! La saleté est revenue! Alors, est-ce que ça va être pire qu'avant? Mais enfin, il fait quoi là? Allez, allez, allez! Il faut y aller là! On a des pompiers, on a la caserne! Tirez dessus! Pause! En plein combat! Oh, regardez-moi ça! Cette grosse bête! La nuée de flèches qu'elle va se prendre! Ah, c'est pas mal comme ça, voilà. Là, j'ai le screen pour l'épisode. Salut, Clone Trooper Flèche! Eh ben, on résiste et le jeu est plus dur. Ils ont faim. Du coup, je fais juste une micro-pause. Du coup, comme on est en pause, je vais te montrer. Tu vois, on a commencé à fortifier, à faire plus d'habitants. Et j'en fais encore plus parce qu'ils ont faim. Il faudra faire des champs. Mais tout le monde a faim. C'est une cata totale. Alors qu'au niveau agricole, on a dit quoi? On était à plus de 102. Mais ça suffit pas. Donc j'ai fait des champs encore là, mais ils flottent, c'est le déluge. Ah tiens, c'est un irisé, voilà. Je le connais pas ce drake noir. Il est nouveau lui. Bah voilà, direct, paf. En fait, ça va être papa dragon et maman dragon dans la cité de Tech Hamster, et voilà. Oh là 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 là. Oh, regardez-moi ce ravage, non mais. J'ai pris Vintar parce que je pensais que c'est irait. Mais c'est l'enfer. Ah, va pas me brûler le port, hein. J'ai besoin du port. Et justement, j'ai besoin aussi. Pff, punaise. Il est en train de détruire toutes mes défenses, cet animal là. C'est pas grave, on va laisser ça tranquille. Et nous, on va reconstruire en urgence. Voilà. Ah, ça promet le jeu, hein, si c'est comme ça. La vache. Et lui, en fait, il ne cible que les défenses. Ah non, pas la réserve, hein. Pas la réserve. Il a détruit la réserve. Non, ça va. La réserve a eu chaud. 6 paysans tués par les dragons. Mais comment veux-tu qu'on s'en sorte moralement? En fait, dès qu'on aura le ventre plein, on sera mieux. Voilà. Et on répare tout ça. D'ailleurs, ici, ça manque peut-être de puits. Ouais. On va se faire un petit puits. On va mettre un là. Sagement. Mais la pierre crame pas, mais bon. C'est pour les tours de garde. Alors, on a dit qu'on allait connecter tout ça. La Noria est prête. 40 pierres à chaque fois. J'en ai un peu. On peut faire la Noria, enfin les aqueducs sur le chemin, hein, si on veut. Tout dépend de ce que je veux. Voilà, on va partir comme ça. Champ ici. On va faire quelques champs là. On va faire vraiment des champs agricoles ici en urgence. Parce qu'on a besoin que les gens bossent. On a besoin de manger. On est remonté à 520 habitants. Ça va, ça se passe bien. No stress. Mais ta réserve flèche, je crois qu'elle est bonne. Hein. On a eu chaud, mais j'ai cru voir. Hein. Attends, je me mets bien. On dézoome parce que je suis un peu perdu. On a construit des bains aux derniers épisodes là de ce soir. Des bains pour le bonheur. Les gens se lavent, ils sont heureux. Donc c'est surtout un problème de bouffe. Et non, t'as réservé là, nickel. Elle avait cramé. Elle a été réparée. Je rêve ou quoi? Ah, tu as perdu ton titre. Et si je te mets comme ça l'orthographe, tu acceptes? Tac.
Voilà. Donc quand elle est détruite, il faut la rebaptiser. D'accord. Donc si l'église crame pour Blue Pink, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Mais non. Par contre, les maçons, il faut qu'ils bossent. Hein. Là, il y a tellement de dégâts. On est tranquille combien de temps? Les Vikings, cette Drakkar qui arrive. C'est pas possible. On va tous mourir. Au secours, au secours. Par contre, c'était pas prévu que je fasse des champs, là, moi. Si, on peut faire des aqueducs sur les champs. Ah, c'est bien. Allez, plus que quelques pierres et on connecte le tout. Quand il pleut, pas d'incendie. Mais alors, oui, la tour défense, elle va tomber, là. Le maçon travaille dessus. On réfléchit pas, là. On fait vraiment de la bouffe et puis on va tenir comme on peut. On va monter jusqu'à 600 habitants. On va réduire les impôts, peut-être. Moins 85. On réduit pas les impôts. Sire, sire, des gens ont visité notre royaume. Mais ils sont tellement effrayés par les invasions vikings que personne ne se reste. Tout le monde se barre, évidemment. C'est une calamité. Il y a des choses détruites, ça me plaît pas, là. Côté armement, on est à 37. Dites-moi, et on n'a pas de chômeurs, donc je vais pas faire d'armée. Mince. Et ils sont déjà arrivés aux portes de la cité qui est fortifiée, les gars. Vous êtes mal. On est mal, là aussi. Mince. J'ai oublié un truc. Un peu lège, là. On va pas trop réfléchir. 111 pièces. J'ai tellement besoin d'or, je vais pas m'amuser à faire tout au dérochement. Robert Gerlach est mort de vieillesse, tout comme 4 autres paysans. Non, mais on tient. Ça va. On va faire un petit peu de pierre quand même. Comment ça se passe? Ici, ça se passe, il y a un Drakkar qui attend, là, je sais pas pourquoi. Bah alors, les gars, vous voulez pas le couler? Vous voulez pas le couler, mais il s'en va. Le bandit est mort. Ok. On attaque nulle part, et à ma cité, là-bas, arrive au loin, une compagnie de bandits. Et ma tour n'est pas réparée, là. Former plus de maçons pour réparer. Bah, ils y sont, là, ça y est, ils ont réparé. Oh, ils sont allumés déjà par les arbalètes. Arrêtez de kidnapper les gens, ça se fait pas, lâchez Pinky Blue. Voilà. Passe ta caisse à fin, là-bas, on voit. Bon, ok, c'est pas grave. C'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Et flèche, flèche, bah t'es en haut évidemment de la tour. Évidemment t'es à ton poste. Donc on a 621 lits, c'est bon, la cité on a bien construit, on a géré. Mais il faut ramener du monde, le bonheur est top. Hein. Parce que on a battu les vikings, ça compense la dalle. Oh la vache. Oh la vache, oh la vache. Est-ce qu'on se fait un autre verger là? Il vaut plus de gens, on a 200 pièces d'or. On bourre. Il faut vraiment que les gens soient heureux. Et surtout, il nous faut finir ça. Ça va nous aider. On va refaire un moulin. Voilà. Et dès que c'est connecté, on pourra du coup finir le champ ici. Et je pourrais peut-être du coup faire à l'avance un autre moulin. Non, j'ai pas assez de pierres. Voilà. Le charbon, on a du stock, je vois dans mon inventaire. On est bien. Ah mais c'est des vrais mécréants, je suis d'accord, les vikings c'est terrible. Vous savez quand même que les vikings à la base c'était pas des voleurs, des pirates, au début c'était des marchands. Avant l'an 1000. Puis quand ils ont vu que finalement en Europe, bah, surtout dans le nord, c'est sympa, c'est riche, et ils s'est pas défendu, ils se sont dit tiens. Quand ils ont commencé à goûter aux moines en Angleterre, en Northumbrie, ils se sont dit allez hop on y va. Bonsoir Nelson, ça y est tu viens de voir toi. Bonsoir mon chat. On veut cet aqueduc, on veut de la bouffe. J'ai mon pêcheur qui bosse quand même. Alors comment ça se passe chez le poissonnier? Est-ce qu'il travaille sans outils?
Ah. Aucun outil, mais on en a plein. On va autoriser le poissonnier, le boucher. Oh là, Viking a détruit un mur. Où ça? Ah, t'es comme ça? Non, ne touche pas la Noria. Non, mais il est passé où, lui? M'a fait peur. Bon, la fête a marché. On tend vers 57. Mais c'est pas possible. Festival. 100 pièces d'or. Mais c'est vache. C'est lié à la taille de la population. C'est vache. Taille de carte. Non, ouais, bon, on n'a pas besoin d'agrandir. Ok. Alors, côté agricole, on bosse. Ici, ça tient. On reste sur le bonus. Et ici, comment c'est bon? C'est connecté. Ça y est. Donc on peut enfin faire des champs, c'est bon, on va refaire un moulin aussi, ah on bosse hein. On a tellement marre de mourir, c'est peut-être un problème de grenier aussi, je suis en train de me demander là, il est peut-être un peu loin, ça serait pas idiot de mettre un super gros grenier ici, près du pont, et s'il faut, s'il y a des soucis, on mettra des défenses peut-être, voilà les récoltes ça marche. On commence à avoir des chômeurs. Ok. On va faire des chemins. Hein. Donc là, c'est pas la route royale, ça coûte cher, les gars. Et pourquoi? Parce qu'il y a un bûcheron qui est là. Écoute, on va nettoyer un tout petit peu la zone. On va laisser les bobies. On est pas mal là, ça y est. Voilà, on va peut-être faire un petit pont de bois pour qu'ils puissent communiquer. Pas un ponton, on fait à l'économique. Dans un jeu de gestion, il faut être radin des fois, même en défense. Allez, coupez-moi ces arbres! J'ai faim, j'ai rien à manger, mais arrêtez, on travaille. On y travaille, le seigneur est dehors, il va chasser le gibier. Lapin et chevreuil, ça vous va? Encore un arbre, c'est quand il veut. Et c'est bon! Est-ce qu'on augmente ici les fruits? Peut-être un problème direct, parce qu'ils perdent du temps pour la récolte, je pense. On est bien. Peut-on faire un chemin ici? Oui, on peut connecter. Cool. Pam, 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 pam. On va faire des super champs de moissons ici. Le problème, c'est que le dragon vient et il se régale, quoi. Voilà, un moulin là. Bon, comme tout le monde construit, je sais pas s'il y a des chômeurs. Faut attendre un petit peu, j'ai donné plein de missions. Ça revient en inactif. On va ralentir un poil et on va voir si on fait du stock de nourriture. Mais ça a l'air d'être bon, hein. Plus 353 l'année précédente. On tient le bon bout. Donc, irrigation, c'est top. Côté trésorerie, est-ce qu'on est top? 76. Du coup, ça remonte en finance. On peut peut-être faire une tour de défense ici. Hein. Le bois est ok. Allez, on met un charbonnier de plus. Bon! Quartier agricole, ok. Nous sommes en l'an 96, les amis. Oh, bonne nuit, Pastakes. Mais oui, oui, oui.
Nous, on se donne encore 10 minutes là-dessus. On finit à la demi l'épisode 6. Ça marche, tout marche. La preuve qu'on a survécu quand même. Alors, ici. Oh, le cimetière est encore plein. Punaise. C'est bon. On a le poissonnier là-bas. Est-ce qu'ici on peut faire quelque chose de sympa? Maintenant, on va laisser remplir tout ça. Pam, 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 pam. Est-ce que le grenier se remplit? 0 sur 400, évidemment. On pourrait faire des champs. J'ai encore quelques chômeurs. On pourrait. Juste pour aider un peu la cité à survivre quand même. On verra après. Avec les petits ponts. Voilà. D'ailleurs, si on continue comme ça. Hop. On rejoint le cimetière propre. Ça fera deux entrées pour la cité. Et c'est pas mal. Le cimetière là aussi est plein. On va peut-être devoir l'agrandir, mes amis. Combien ça coûte 7 pièces d'or. On a des sous, on est bon. Ouais. Tristement, il y aura beaucoup de morts. Et là, on est bien. Je pense qu'en défense, on tient. On va dérocher pour finir ici. Vraiment travailler là-dessus. Voilà, j'ai pu. Ça coûte combien? Parce qu'il me manque 10 outils encore. On va laisser faire. Par contre... l'armement, c'est pas terrible. Dès qu'on aura des rochers, on partira plus peut-être sur ça. Un autre forgeron. Ah, mais ça a été détruit, là. Comment on fait? Il faudra dérocher. Je peux encore pas en faire grand-chose. Ce sera pour le prochain épisode, hein, de toute façon. Mais on est cool. Franchement, la cité est top. Mais ils ont encore faim. C'est le temps des moissons. Mais ça arrive, là. Il y a des moissons partout. Arrêtez. En fait, ici, ça a l'air d'aller. Un café. Ça manque peut-être de marché. Hein. N'empêche, il faudrait peut-être redistribuer un peu plus la nourriture. Qui redistribue après... aux maisons. Ça manque un peu de marché, sûrement. On va mettre un ici pour préparer le quartier. Et comment ça se passe ici? On avait un marché où? Il y a quelque chose qui est détruit, c'est quoi? Un manoir, on va reconstruire. Et en fait, je réalise qu'il n'y a pas de grand marché. Hein. Ça va peut-être aider la cité, là. Alors, est-ce qu'ils se plaignent? Ils ont pas de poisson, ils ont pas de viande, mais ils ont du charbon. Ils sont contents surtout. Ils apprécient la place du village, la taverne, l'église, évidemment, la bibliothèque. Ils ont tout confort, là. Ils sont top. Hein. Là, c'est pas mal. On tient bien. Ok. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que j'ai toujours pas de chômeur. On était monté haut. Hein. Est-ce qu'il y a des choses de cassées là que j'ai loupées? Apparemment non. Et on va voir le marchand, ça va peut-être nous aider. Marchand qui marche pas quand je clique dessus. Bien, on a un peu de sous. Pour en acheter 56, ça me coûte combien? 56, ok. On va juste acheter ça. Ça coûte cher après.
Voilà, on a acheté de la nourriture qui va dépanner un poil. Et ça y est, on est bon. Plus 361. On est bien. Dans 2-3 ans, on n'en parlera plus. On oubliera. Ils auront oublié leur mort. On est cool. Et les dragons arrivent. Eh ben, écoute. Ha ! Ce sera pour le prochain épisode. On va se quitter là-dessus. C'est cool. On a enfin un champ agricole qui commence à être intéressant. On va travailler dessus. Mais dans le prochain quartier de rempart de notre cité originelle, on va faire plus de manoirs. Après, il va falloir que je fasse des arbalétriers, je pense, pour tuer ces dragons-là. J'en ai que 2. Ça ne suffit pas. 3 là. On verra ça. YouTube, prochain épisode, prochain live. On se retrouve sur Kingdom and Castles, la saison 5. Bon jeu à tous, bonne soirée. Et sur Twitch, ne bougez pas, on va continuer.